father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I'm sleeping. Salut à tous, c'est Dax, on se retrouve aujourd'hui pour le 4ème épisode de I Am The Zombie. Alors je démarre la map tout de suite avec vous. Alors, comme vous le voyez, on s'était laissé juste avec un joli petit zombie, un petit Steve. Et pour vous montrer, c'est moi le zombie. Allez, d'abord toi tu vas mourir. Pourtant j'avais le souvenir de t'avoir déjà tué. Bon bah. Mieux vaut deux morts qu'une, hein. Mieux vaut deux morts qu'aucune. On va vite fermer ça. Et on va repartir faire quoi? Et ben on va sortir justement. Je suis armé, je suis protégé. Et le jour se lève en plus. Une vilaine araignée, où est-elle? Oula. Tiens, voilà. Alors, je lag un petit peu, je vais essayer de régler ce problème. Oh, une araignée ici aussi. On va essayer de... Ouf, elle a fait mal, elle. On va essayer de couper un arbre. Ah, on va couper du bois pendant qu'on le peut. Je sais pas si j'ai une pioche sur moi, une hache sur moi. Pardon, j'ai tous mes items, excusez-moi, je ne l'utilise surtout pas, c'est pour mes... pour mon serveur, parce que je peux utiliser tous mes items sur mon serveur si je suis admin. Et voilà, en aucun cas c'est pour cette map. Allez, on va prendre un petit peu de bois, on va en profiter. Le bois on en a toujours besoin. Puis on va voir s'il n'y a pas des petits zombies à tuer aussi par là. Je peux pas aller plus haut. Oula, va vite falloir que je rentre parce que là je vais... Aïe, ça pique le soleil. Alors du fait que j'ai pas de mob, je ne brûle pas la lumière du soleil. Allez, alors qu'est-ce qu'on va faire du coup? Je vais essayer, j'ai regardé mes épisodes, je vais essayer d'un petit peu plus sortir quand même, parce que j'ai remarqué que j'étais pas beaucoup sorti. J'étais pas beaucoup sorti. Oui, ça se dit. Oui, j'étais pas beaucoup sorti la nuit et que j'étais pas très courageux pour l'instant. Alors on va essayer de faire le courageux et à la prochaine nuit je vais sortir. Alors on avait trouvé cette caverne aussi, si je me souviens bien. Enfin, on avait trouvé une caverne où j'avais éclaté un creeper et un petit Steve. Alors on va essayer d'aller par là-bas. Aïe. Ouais, on va vite. Tac, tac. Tiens, toi, va tomber. Ouais, ben. Bon, c'est bon, ça fait tomber. Est-ce que j'ai des torches? J'ai pas de torches. J'ai de quoi en faire? Oui. Alors, je disais, ça fait tomber le zombie, le méchant archer, donc c'est plutôt pas mal. Et on va aller explorer cette parcelle que j'ai pas encore vue. Et ben, tiens, du fer. Et j'entends de l'archer. Bon, une seule boule de fer. Oula, ouais, bon, ça continue dans sa lignée. Des masses et des masses, des masses et des masses de fer. Je sais pas comment ça se fait sur cette map. J'ai vraiment, on va dire, j'ai vraiment de la chance. Ça grogne, ça grogne. Des champs pipi. Je vais les...
les ramasser parce que je crois que j'en ai des rouges en plus. Tac, je vous fous de la lumière à la tête. Et puis non, j'ai pas envie de mettre les torches toujours à la droite parce que de toute façon, si je me suis perdu, j'ai juste... Oh, encore de l'or. J'ai juste à creuser au-dessus de moi, en escalier. Et je retrouverai bien la sortie. Allez, pourquoi il n'y a que ça? Du charbon, oui. C'est tellement rare le charbon ici, c'est un paradoxe complet parce que d'habitude c'est le charbon qui est le plus abondant et le fer qu'on bave à trouver. Et là c'est le fer est largement plus abondant que le charbon. Bon, on va pas s'en plaindre parce que un charbon ça fait cuire 8 fer, donc on va dire du charbon j'en ai largement assez. Alors comme je vous le dis encore, pour toute critique ou toute nouvelle envie, enfin dès que vous avez envie de quelque chose dans cette série, de participer, on va dire entre guillemets, en proposant une nouveauté. Oh, je sais pas si j'ai Optifine là, mais je vais vous faire un joli zoom. Fais voir, j'ai pas Optifine. J'espère que tu vois, toi, petit Minecraftien derrière ton écran, je viens de voir du diamant. Du diamant après tout ce fer, je vois plein de diamants. Et c'est bon ça. J'ai peur qu'il y ait du zombie qui me suive. Tiens, tu le vois là? Tiens, regarde, je m'en approche un petit peu si tu veux. Tu le vois là? Tu le vois? Hein? Tu le vois? Je vais ramasser ce fer et cet or. Me faire un saut et tout ça. Pour me faire plusieurs sauts même. Pour ramasser de la lave. Et il va falloir que je me fasse une pioche. De toute façon. Donc je vais me faire un établi. Mince. Voilà. J'ai dit voilà. Voilà. Alors du bois, j'en ai. Heureusement j'en ai ramassé. De quoi je parlais, je me rappelle même plus. Ah oui, j'avais pas besoin de miner sur Forgotten Land parce que c'était tout simplement inutile tellement on me fournissait le matériel. Oui, je me barre sans miner moi, sans miner mon or. On va virer cette échelle. 1, 2, 3, 4. Et j'entends du zombie par là. Je sais pas du tout si c'est en haut ou en bas. Enfin bon. Alors on va se faire un petit peu. On va se faire un petit peu plus de fer pour ramasser l'or. Oh là là. Pour se faire des sauts et ramasser un petit peu plus de lave. Je vais essayer de m'en faire 3 pour avoir 3 laves. Ce sera bien. J'essaierai de me faire un truc, un petit portail vers le Nether, ce serait pas mal ça. Enfin bon, n'oublions pas les objectifs. Si pour ma ville il faut pour mes aïeuls, enfin pour mes descendants, il leur faudra un petit portail du Nether quand même. Pour qu'ils puissent aller miner le Blaze et tout ça. Miner le Blaze, oui bien sûr. Tac. Tac. Oh de la redstone. Oh bah tiens, le voilà le Steve que j'entendais. On va le faire venir. Ce serait bien qu'il aille se jeter lâchement dans la lave. Ah oui, et pour ce 4e épisode, j'ai écouté un de mes entre guillemets abonnés, mais une personne que je connais dans la vraie vie qui me suit, qui m'a dit que mes épisodes étaient beaucoup trop longs, qu'il n'avait pas forcément le temps de les suivre. Et pour toi, Pierre, si tu te reconnais, à partir de ce 4e épisode, mes épisodes feront 15 minutes. Et bien sûr, comme un con, je n'ai pas compté. Dis merci à qui ? Merci à qui? Merci à moi. Bon,
Non, je sais vraiment pas quand est-ce que j'ai commencé, donc l'épisode risque d'être vraiment plus court que les autres. Soit il fera pile 15 minutes parce que je suis un dingue et que ça. Et que. Voilà. Soit bah il fera beaucoup moins. Tiens, va mourir. Creusé sous les pieds. Quel salaud. Maintenant, je vais essayer de récupérer un max de cette redstone. Oh, il y en a quand même qui ont brûlé. Dommage. Oh, bah, j'irai voir par là-bas. Après. Ouais, on va d'abord récupérer tout le fer et tout ça. Tout ça. Ah, ça donne de l'XP aussi quand on... Vous voyez qu'en même pas 5 minutes, je me suis déjà fait... Je suis déjà passé du niveau 4, 3 au niveau 9. Hein. Et c'est vraiment plutôt pas mal, comme dirait l'autre. Comme je dirais en fait tout le temps, moi. Toujours, c'est plutôt pas mal. La lave, ça fait laguer. J'ai jamais vu ça. Tellement devenu pourri mon ordi depuis que j'ai plus ma carte graphique. Oh, un creeper. Fais péter là. Je suis un suicidaire, moi. Voilà, merci. Comment récolter gratuitement de... du gravier. Ouf. Comme j'ai failli tomber. Ah oui, en passant, petite pub, je fais partie maintenant d'une chaîne communautaire, mais toute neuve en fait. C'est une chaîne qui venait d'ouvrir, j'ai vu la pub, ça m'a plutôt intéressé, du coup j'ai proposé à... Oh, à Slim. J'ai proposé au créateur de cette chaîne d'être le premier à mettre ma vidéo dessus. Ils ont à l'heure actuelle 14 abonnés. Oui, à Slim. Oui, 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 plein de slim ball, s'il vous plaît, plein de slim ball pour faire des choses en redstone. Oh, pourquoi tu m'en as pas donné? Là, il y en a d'autres, normalement. Non? Passer où? Bon. Bon, je crois que j'ai retrouvé mon chemin, en tout cas. Oui, je disais qu'il m'a... Je suis la première à avoir fait une vidéo à l'heure actuelle. Hein. Je vous dis encore à l'heure actuelle parce que je sais pas du tout quand est-ce que sera publié cet épisode. Et donc voilà. Juste petite pub, je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense. Honte à moi si je n'y pense pas. Non, je saurais même pas dire non comme ça. J'ai retrouvé mon chemin. C'est parfait. Maintenant il s'agirait de descendre. Même pas besoin. Allez, on va tout reposer ça. Et on va faire ninja. Ninja. Qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Ouh là 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 là, ça va pas me plaire. Il pleut dehors, je peux sortir. Ah toi, je te laisserai pas exploser. Hein. Non. Fous de ma tête. Bon, ça a pas fait trop de mal. Je peux sortir, il pleut. Vous savez bien que les zombies ne meurent pas quand il pleut.
il neige. Est-ce que j'ai le droit de sortir s'il neige? Je sais pas du tout. On va dire que oui, de toute façon, il y a la nuit qui tombe, qui a l'air tombée. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va explorer un petit peu. On va explorer les alentours, voir s'il y a quelque chose. Voilà. Ici, il pleut. On va essayer de ramasser un max de sable. Et me faire une pelle vite fait. Non. Tac. Voilà. Des baguettes. Je n'ai pas de baguette. Tac. Oh, allez, je suis riche, je vais m'en faire une en fer. Tiens, t'as vu comment je suis riche, moi. Allez, les strings, on s'en fout. Ouais, il va nous falloir un max de sable pour pouvoir faire du fer et toutes les conneries comme ça. Autant dans l'esthétique pour faire la sandstone. Je pense que je vais me faire un générateur de sable. Je regarderai un petit tuto. Je pense que je vais me faire un générateur de sable parce que ce sera vachement utile du fait que je ne puisse pas sortir souvent, du moins. Et du coup, plutôt que de faire... Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a encore un... Ah, ça doit être moi qui ai dû faire ça. Oui, du fait que je ne puisse pas forcément beaucoup sortir. Et ben, ce sera vraiment, vraiment, vraiment très pratique d'avoir du sable à disposition. Bon, bien sûr, j'utiliserai pas des masses. J'utiliserai pas intempestivement pour éviter de. Pour pas trop utiliser use bug, on va dire. Il faut que je ramasse ce sable, moi. Allez. Au diable, cette échelle. Et je pense que ça doit faire quand même une quinzaine de minutes. Donc, je vous dis au prochain épisode. T'as vu, Pierre, hein? Je suis gentil, hein? T'as vu, j'ai fait un épisode moins long que les autres, j'espère. Allez, bye bye à tous. Pour moi, ce sera un épisode enchaîné avec le 5e. Donc, je vous dis à tout de suite pour ceux qui verront l'épisode 5 à la suite. Et sinon, à bientôt pour ceux qui le verront plus tard. Allez, bye bye tout le monde.